Bonjour et bienvenue, je vais aujourd'hui vous présenter le nouvel arrangeur de chez Korg. Vous connaissez bien sûr la famille PA, PA300, PA700, PA1000, PA4X. Aujourd'hui sort une nouvelle référence, EK50. Il s'inscrit comme premier modèle dans la famille arrangeur. Voyons ça en détail. Le EK50 est un clavier 61 notes, doté d'une polyphonie de 64 voix. Il est équipé d'une amplification de 2x 10 watts avec haut-parleur à double cône. En plus de l'adaptateur secteur fourni, pour plus de liberté, le EK50 pourra être alimenté avec 8 piles AA. Du côté de la connectique, vous retrouverez un port USB-A et un port USB-B. Une sortie jack 635 stéréo, une entrée audio mini jack pour une source externe, une sortie casque et une entrée pour ajouter une pédale de sustain en option. Concernant l'interface, vous avez trois modes. Tout d'abord, le mode style et keyboard set. Prenons un exemple avec le mode keyboard set. Vous allez retrouver plus de 160 sonorités. Avec le bouton catégorie, vous pouvez faire défiler les sons par famille. Avec le dial, vous permet de choisir son par son et bien sûr le pavé numérique pour un accès direct. Écoutons quelques exemples de sonorités. En mode style, accédez à plus de 250 accompagnements. Pour chacun d'eux, vous trouverez une introduction, une fin, 4 variations, un break et un fill. En appuyant sur Shift et Style, le EK50 choisit pour vous la sonorité la plus adaptée pour votre style. Toujours dans un souci de simplicité, le EK50 vous permet en accès direct de contrôler les parties de l'accompagnement comme le volume, le mute ou le style de son. Écoutons maintenant quelques exemples de styles. Jusqu'à 3 sonorités sont disponibles pour votre main droite, via les boutons Upper 1, Upper 2, Upper 3. Le bouton Lower vous permet d'ajouter une sonorité sur votre main gauche.
Avec le mode setlist, vous pouvez enregistrer et rappeler vos propres configurations de style et de sonorité. Vous pouvez choisir de transposer le K50 octave par octave ou note par note. Le bouton split vous offre la possibilité de couper votre clavier en deux parties. L'écran affiche de nombreuses informations comme les accords, le style, le transpose, le tempo et les notes jouées sur le clavier. Un bouton d'enregistrement vous donne un accès rapide au séquenceur. Appuyez une fois, enregistrez-vous et réécoutez-le en mode song. De même, vous pourrez mettre en boucle, via le bouton Loop, une partie de votre enregistrement. Pour terminer, le mode Song vous permet de lire via une clé USB les fichiers MP3, WAV et MIDI file. Voyons un exemple avec un fichier MP3 sur lequel je peux jouer. Le EK50 est un clavier complet et très facile d'utilisation pour tous les musiciens voulant accéder à l'univers des arrangeurs cordes.